Eh bien, salut tout le monde, c'est JJ6900, j'espère que vous allez bien, car moi ça va très très bien. Alors, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, pas n'importe quelle vidéo, c'est juste... je vais customiser une Vapicino. Donc, c'est une Lowrider. Dans les classes, c'est Lowrider. Donc, la type de voiture, Lowrider. Bah, je vais vous la customiser, j'ai fait spécialement une vidéo pour ça. Donc là on va sur le site, on va dans stock et on va la choisir. Donc elle coûte assez cher, donc 225 000 dollars. Donc ça c'est le modèle avant, le comme vous l'avez vu en bleu, et ça c'est après. Donc moi je vais la choisir en orange. Je vais la mettre dans mon garage et on attend que la livraison se fasse. Je vais vous faire une toute petite coupure pour pas que ça soit trop long. Et on se retrouve après. Bon bah c'est bon, la livraison c'est faite. Maintenant je vais appeler le mécano pour qu'il me le livre. Donc attendez. On va prendre bah, bien évidemment la chino. Et bien évidemment à propos du véhicule que je custom, n'hésitez pas à me noter bien, bien, mais bien, n'hésitez pas à me noter sur 10 pour ce véhicule que j'ai custom. Là, par contre, on va arrêter la radio. N'hésitez pas du tout. Hein. Donc, notez-moi sur 10 pour la customisation. Donc là, on va rentrer. Allez. Bon. À mon avis, moi, je dis que j'aurai plein million. On va mettre la transformation. Waouh, ça va, non, la transformation elle coûte pas cher, c'est bon. Maintenant il me reste 800 000, donc c'est pas, ça m'a pas trop baissé quoi. Alors déjà on va les blindages, tout ce qui est blindage, frein, moteur et aile, ça c'est pas trop important. Donc pare-choc avant, et on va mettre ça. Ensuite châssis. Ça, le réservoir, ça sert à rien. Le moteur, ça, non, c'est pas trop urgent. On va mettre le capot comme ça. Dans le klaxon, c'est pas important. Ça, oui, c'est important. La grosse pompe. Donc, bien évidemment, ça coûte vraiment cher, hein. Donc, c'est pas donné. Ensuite, on va mettre les habitacles. Finition intérieure. Donc, on va mettre une belle couleur. Enfin, on va mettre une belle finition quand même. Donc, je vous les remontre. En plus, bon, bah, je vais mettre le dernier. Ouais, je vais mettre le dernier comme le dernier, c'est à chaque fois le plus mieux. Ensuite, bah, couleur finition. Je mets pas pour l'instant parce que je ne sais pas vraiment ce que je vais mettre comme couleur. Donc ensuite, on va mettre les néons. Ça, les néons aussi, la couleur des néons, je vais voir encore. Je vais voir après. Donc maintenant, je vais vous montrer les motifs. Ça. Ça. Ça, ça, moi honnêtement je sais pas trop, je sais pas quelle couleur ira, quel motif ira mieux dessus. Donc moi je vais aller, on va tenter ça, on va mettre elle peinture.
Donc crew, non, ça fait pas trop. Mat. Ah ouais, mat, c'est stylé quand même. Ouais, c'est stylé, c'est stylé. Pourquoi pas mettre un petit bleu comme ça? Ouais. Bof, ouais. Allez, on met bleu comme ça, c'est bon. On se fait plaisir. Ah non, mais... Bon. Ensuite, maintenant, on va faire bah, les choses importantes. Donc, les ailes. Non, comme ça, elle est mieux. Comme ça, elle est mieux. Basiquement, c'est mieux. Ensuite, on va mettre le moteur. Ah oui, non, le toit aussi. Je la préfère comme ça. Je la préfère comme ça. Elle est belle. Et plus, si vous n'avez pas remarqué, mon personnage, il a le coude posé sur la petite portière. Donc, posé au calme, tranquille. Transmission, on va mettre ça. Le coffre. On va mettre le tout dernier. Ça fait stylé, hein? Les roues. Bon, on va mettre bien évidemment les lowriders. Moi, comme roue. En fait, moi, comme jante, j'ai envie de mettre elles. Ils sont belles, hein? La couleur. On va mettre quoi? On va mettre. En fait, je sais pas. Allez, on va la mettre comme ça. Ça fait stylé, hein. Donc, n'hésitez pas encore à me... Je me répète encore une fois. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez de ce lowrider-là. Ensuite, pneu apparence. Donc, les apparences. On va mettre... on va mettre bah on va mettre elle, c'est bon. Les pneus de fumée, on va mettre bah, bleu, bien évidemment. Ensuite, bah, les fenêtres, on va mettre teinté. Maintenant, pare-choc. Ça, je l'ai déjà fait, ça c'est bon. Je l'ai déjà fait. Châssis, ça je l'ai déjà fait aussi. Le moteur. Bloc moteur. Ah ça j'ai pas vu. Mais ça on en a pas besoin. Ça je ne sais pas ce que c'est du tout. Filtre à air. Bien évidemment, on met le niveau 4. L'échappement. On va mettre ça. Explosif, on n'en a pas besoin. Le capot, ça bien aussi, je l'ai fait. Par contre, comme sonnerie. Alors, on va monter le son pour les klaxons. Je vais vous monter le son, attendez. Non, pas là. Écoutez, hein. Je vais vous faire écouter chaque sonnerie. Donc moi je veux pas E. Hein. Non, on va pas dans là parce que c'est trop long. Mais bon après, bon mais bon après ça c'est des anciennes de klaxons. Excusez-moi, je reviens. Excusez-moi parce que là j'ai éternué et j'avais pas de mouchoir à côté de moi donc voilà. Bon, on va voir dans les longs. Donc je vais vous faire écouter ces 5 sonneries là. Donc attendez. Donc celle-là, là, celle que vous avez entendue, c'est une ancienne. Elle aussi, c'est une ancienne. Elle aussi, c'est une ancienne. Elle est vachement stylée, ce klaxon là, il est vachement stylé.
Donc aussi à propos du klaxon, n'hésitez pas aussi à me noter hein, sur 10. Allez, on met elle, elle est stylée. Comme vous pouvez le voir, là maintenant je suis pauvre. Non, ça c'est pas très important. Ensuite, le levier de vitesse, et bon, on va mettre un petit dé, on est stylé là, on est américain là. Ensuite, bah, pour la plaque, donc je vais mettre à la troisième personne. Allez, on va mettre elle. Pour la couleur, on va mettre bleu, bleu comme le véhicule quoi. On va mettre bleu, on va mettre bleu. Voilà. Et ensuite, pour les éclairages, donc pour les néons, on revient aux néons. Donc on va mettre bleu, bah bien évidemment ce qui est dans le thème. On va mettre bleu, donc non, ça c'est la couleur crew. Bleu, allez. Malheureusement, cette l'oreille d'or m'a fait de redevenir pauvre. Malheureusement, mais bon, après, c'est la vie. Voilà. Donc, le coffre, non, on l'a déjà fait. Turbo, on l'a déjà fait. Rond, on l'a déjà fait. Fenêtre, on l'a déjà fait. Oh, bah, je crois que c'est bon pour tout là. Malheureusement, je suis pauvre. Donc, 21 000, ça fait bizarre de redevenir pauvre. Bon, on va sortir du Bénis Original Warstock. Et je vais vous faire écouter, je vais bien vous faire écouter le son du véhicule. Et avant de vous faire écouter, je vous, regardez, je vais vous la faire sauter. Elle est stylée. Écoute, je sais pas si j'ai mis les bons hydrauliques ou pas. Mais elle est stylée quand même. Bon, allez, je vais vous faire écouter le moteur. Le son. Donc on va baisser. Bah si, on va monter le son sonore. Et puis voilà. Donc allez, je vais vous faire écouter. Je recule. Allez. Donc aussi regardez sa vitesse comment elle est. Là j'ai pas d'accrochage. Et aussi, une toute petite dernière chose, je vais vous montrer aussi. Bon, bah là, comme tout à l'heure, vous l'avez vu de très très loin le coffre, je vais vous le faire montrer. Donc, on va mettre tout. Donc, attendez, je me mets à la vue à la première personne. Donc, attendez, je me mets. Et regardez ce magnifique coffre. Donc, là, ici, vous pouvez y voir bah, les trois sonos. Et les. Les quatre petites rondelles, ce sont les pompes qui permettent de faire sauter, bah, bien évidemment, le véhicule. Donc voilà. Bon. Donc, à propos du moteur, rien de spécial. Bon. Et ben, je vous laisse sur ces images-là. Je